Saïd Ben Habiles, bonjour. Bonjour. Alors, le phénomène de la migration, un drame humanitaire, une tragédie, comment agir face à la détresse de ces populations forcées de quitter leur pays en raison des conflits, de la pauvreté ou de la sécheresse? Madame Ben Habiles. Dans mes habitudes, quand j'aborde un problème, il faut aller à l'origine, il faut faire un bon diagnostic. On parle de drame humanitaire et c'est vrai. Je reprends la déclaration de l'actuel secrétaire général des Nations Unies alors qu'il était haut commissaire aux réfugiés lors d'une réunion à Genève où j'étais présente, où il a textuellement déclaré que depuis la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas connu un drame humanitaire de cette ampleur. Donc, si on veut s'attaquer au problème, étudier ce phénomène, atténuer la souffrance des autres, il faut s'attaquer à l'origine. Qui est responsable de ce drame humanitaire? Ce n'est pas un secret d'État. Tout le monde sait que dans notre région, je parle de la région d'abord, c'est l'intervention de l'OTAN en Libye qui a déstabilisé la région, qui a semé le chaos en Libye et déstabiliser toute la région du Sahel, plongeant la population dans l'effroi, développement du terrorisme, fuite. Et donc, à travers le monde, qui est à l'origine aussi? Parce que quand on parle de migration, il faut parler des Syriens, des Irakiens, des Afghans. Qui est à l'origine de tout cela? Donc, à mon avis, si on veut solutionner, tant peu soit-il, parce que ça m'étonnerait qu'on trouve rapidement une solution radicale. Mais atténuer la souffrance humaine, il faudrait que ceux qui sont à l'origine de ce drame assument leurs responsabilités. Alors, qui est responsable de ce drame humanitaire? Les forces de l'OTAN, c'est votre déclaration à l'instant, Madame Ben Habiles. Est-ce que l'OTAN doit aujourd'hui assumer sa responsabilité par rapport à ce qui se produit? Écoutez, il n'y a pas uniquement l'OTAN. Il y a ceux qui ont pesé de tout leur poids pour que l'OTAN intervienne. On s'en souvient. Moi, je n'ai jamais vu une résolution du Conseil de sécurité appliquée avec une telle célérité que celle adoptée pour l'intervention de l'OTAN en Libye. Qui est-ce qui a pesé de tout son poids pour que l'OTAN intervienne en Libye? Écoutez, moi, je ne fais pas de politique. Je suis humanitaire et ma réaction en tant que militante humanitaire, en tant que militante des droits de l'homme, c'est Bernard-Henri Lévy et Sarkozy. Et puis, tout le monde a suivi. Donc, aujourd'hui, si on ne décide pas de réviser la politique internationale, reliant les relations internationales, qui actuellement est basée sur le poids de deux poids et deux mesures, sur l'impunité, sur l'exploitation des autres, il faudrait qu'on arrête de démocratiser les pays à travers l'intervention de l'OTAN. Il faudrait qu'on arrête de démocratiser les pays en essayant de les déstabiliser par des conflits internes, en semant les zizanies pour des raisons ethniques, religieuses ou de couleur ou autres. Donc moi je pense que c'est un véritable chantier à ouvrir et qui doit s'ouvrir dans le cadre de la révision du rôle du Conseil des Nations Unies. Mais qu'est-ce que vous entendez exactement par vos propos, l'impunité, une politique de deux poids, deux mesures? Qu'est-ce que vous entendez exactement par ces propos? Est-ce que vous considérez ce qui est permis pour les uns n'est pas toléré pour les autres, à l'exemple par exemple de l'Europe qui se referme sur elle-même et qui force certains pays à ouvrir leurs frontières, comme l'Algérie par exemple? Je ne considère pas. C'est une réalité qui est là, qu'on nous impose. Moi, ce n'est pas des conclusions que je dis. Je partage des préoccupations. Je lance un cri, parce qu'on vit, quand on est algérien, on est issu d'un peuple qui a vécu les affres de la migration, les affres du refuge pendant l'occupation. Quand on sait qu'est-ce que c'est que l'occupation, on est mieux placé que quiconque pour comprendre les autres et leur tendre la main et les défendre. Donc actuellement, on s'enlève les mains.
j'ouvre une parenthèse, excusez ma franchise, ma petite expérience m'a démontré que de temps à autre, la communauté internationale, comme pour soulager sa conscience, organise des forums, des sommets mondiaux pour un problème d'actualité, un phénomène d'actualité. Actuellement, c'est l'immigration, la charte des migrants. Mais arrêtons. Est-ce que la charte des migrants est une solution au problème? Moi, je dis non. Mais vous dites, vous avez déclaré récemment que l'Algérie ne cédera pas aux pressions internationales par rapport à ce qui lui est reproché et qui semble être infondé selon vos propos. Est-ce que cette question de la migration est devenue un instrument de pression sur les États, Madame Benhabila? Eh ben, écoutez, l'Algérie est habituée à ce genre de scénario. L'histoire se répète. Vous vous rappelez, dans les années 90, lorsque les terroristes revendiquaient leurs assassinats, des voix en Europe, soutenues par certaines voix algériennes, ont lancé ce fameux slogan qui a tué nos morts deux fois, endeuillé nos familles deux fois, qui tue qui? Alors c'est l'exploitation de la souffrance des victimes du terrorisme algérien à des fins politico-stratégiques, etc. Aujourd'hui, c'est un autre drame, une autre souffrance, c'est les migrants. L'Algérie est un exemple à suivre dans le domaine, et je ne le dis pas parce que je suis algérienne, c'est des faits concrets. Tout d'abord, comme je le disais tout à l'heure, l'Algérie puise les racines de sa politique dans sa culture ancestrale. Notre culture est basée sur la solidarité, l'amour de l'autre, la tolérance. Et, j'ouvre une parenthèse, l'émir Abdelkader est un exemple international dans le domaine. C'est une référence. Je voudrais rappeler qu'en 1862, l'émir Abdelkader était à Damas. La communauté chrétienne qui était exposée à un génocide a fait appel à lui. Il a répondu à leur appel et leur a sauvé la vie, les a défendus. Certaines voix se sont élevées en disant « Comment, toi, l'émir musulman, tu risques ta vie pour sauver des chrétiens ?» Il leur a répondu tout simplement « Cela émane de mon attachement à la foi musulmane et pour défendre le droit de l'humanité. » Il a prononcé le nom « droit à l'humanité » avant Henri Dunant, fondateur du CICR. Donc, et dans la tradition des Algériens, c'est on voit, nous, notre problème, c'est qu'on a une culture qui fait qu'on ne veut pas médiatiser ce qu'on fait dans le domaine humanitaire, bienfaisant. Et puis, ce qui est important pour l'Algérie... On ne sait pas le faire non plus. On fait, mais on ne médiatise pas. On dit, bon, haram, mais ça ne se fait pas, et dans nos traditions, mais en définitive, c'est mauvais. Avec les temps qui courent. Et je voudrais aussi dire autre chose dans ce domaine. Nous n'avons pas d'agenda politique derrière nos actions humanitaires. Nous faisons de l'humanitaire pour l'humanitaire. Et quel est le chef d'État à travers le monde qui a effacé les dettes de certains pays africains à part Bouteflika? Il faut le dire. Alors vous avez déclaré, Mme Nhabilès, que l'Algérie n'a pas été partie prenante de la tragédie que vivent les pays africains, ni de la famine, ni des épidémies qu'endurent les peuples d'Afrique. Qu'est-ce que cela sous-entend quelque part par rapport à vos propos, Mme Benhabilès, en clair? Et comment vous qualifiez aussi les accusations auxquelles fait face l'Algérie actuellement par certains rapports d'ONG? L'Algérie n'est pas responsable pour la simple raison qu'elle n'a pas spolié les biens de l'Afrique. Et comme je me le disais tout à l'heure, au contraire, on a une vision de développement. On est contre l'ingérence. On contribue à la stabilité des pays par en essayant de jouer au médiateur, par le dialogue, les rencontres, etc. Et en soutenant le développement. Je le répète, le seul pays qui a effacé des dettes à certains pays africains pour les aider à se développer, c'est l'Algérie. La politique de l'Algérie pour le développement des zones frontalières. La décolonisation? La décolonisation, non, là j'en viens. J'en viens, écoutez, aujourd'hui les gens devraient être heureux et contents parce qu'on commémore la Déclaration universelle des droits de l'homme. Moi je suis triste. Depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme à aujourd'hui,
on est en train de lutter contre le colonialisme. Il y a encore des pays occupés et en Afrique, il y a encore un pays qui n'a pas pu concrétiser son rêve, son droit à l'autodétermination. Le peuple sahraoui. Le peuple sahraoui. Il y a aussi les Palestiniens, parce que vous avez dit... oublier les Palestiniens. Vous avez dit les ONG devraient plutôt se préoccuper de la situation qui prévaut actuellement en Palestine à Gaza. Écoutez, hier uniquement, aujourd'hui on célèbre, on commémore la journée, la commémoration de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Quel droit de l'homme au moment où on se tait alors que des soldats israéliens tirent sur des enfants? Hier uniquement, il y a eu des enfants morts. Et ils se battent avec des pierres pour demander leur droit à une entité, à une terre, la terre de leurs ancêtres, à une liberté. Les femmes palestiniennes, prisonnières dans les geôles israéliennes, accouchent. Les mains menottées dans les lits, le massacre des innocents, l'occupation est la pire atteinte à la dignité humaine, l'occupation est la pire atteinte à la règle élémentaire des droits de l'homme, et aujourd'hui, tout le monde est content, tout le monde est heureux de commémorer la Déclaration universelle des droits de l'homme. On devrait plutôt s'inquiéter et se demander et s'attaquer aux raisons qui font que cette Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dans le fond est un acquis pour l'humanité, devient un instrument qui ne sert absolument à rien. Alors l'humanitaire aujourd'hui, quelles sont les actions qui sont engagées par l'Algérie pour la prise en charge aujourd'hui des migrants? Est-ce qu'ils sont, c'est-à-dire traités conformément aux principes de droits de l'homme? Madame Benhabilès, puisque vous avez eu à raccompagner certains migrants vers la frontière. Je me plais, c'est-à-dire je préfère dire conforme à nos valeurs ancestrales, parce que les normes internationales des droits de l'homme connues dans le domaine, pour nous, ce n'est pas une nouveauté. Au contraire, avant ces normes internationales, avant la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Algériens avaient leur tradition. Donc, toutes les normes connues dans le domaine ont été respectées, et sans aucun calcul et sans aucun agenda politique. Au contraire, c'est un élan spontané, c'est une nature. Les Algériens ne peuvent pas se voir souffrir quelqu'un sans lui tendre la main. C'est dans le sang, c'est comme ça. Vous déclarez que ceux qui sont à l'origine de cette tragédie veulent se déculpabiliser, puisque ce que nous vivons aujourd'hui, nous assistons à un drame humanitaire que nous n'avons pas connu depuis la Deuxième Guerre mondiale entre 1936 et 1945. C'est le cas pour vous aujourd'hui? Ben oui. Ils doivent assumer leurs responsabilités. Bien sûr qu'ils doivent assumer. Moi, je ne cesse de dire, écoutez... Mais comment recourir aux instances internationales? Non, c'est très simple. Nous, depuis 2014, le Croissant Rouge algérien, on a eu des visites de plusieurs ambassadeurs accrédités à Alger qui sont venus discuter du rapatriement, etc., et offrir leurs services. On leur a dit, écoutez, l'Algérie est capable de rapatrier. Conformément aux normes, vous voulez aider ces migrants, financez-leur des micro-projets chez eux pour qu'ils se stabilisent. Il faut axer sur le développement, il faut axer sur la non-ingérence, il faut axer sur la résolution des conflits par la réconciliation et le dialogue, et arrêter de s'immiscer et de s'ingérer dans les affaires des peuples au nom de la démocratisation, au nom de la lutte pour les droits de l'homme et autres. Alors, justement, des questions des auditeurs, ils vous disent, sur le plan humanitaire, quelles sont les actions engagées concrètement par le Croissant Rouge algérien pour porter aide et assistance à ces familles? Écoutez, c'est très simple. La première des choses, c'est qu'on voit un peu partout. C'est la structure sanitaire. Vous savez, toutes ces familles que vous voyez un peu partout, il faut être très clair. Nous, en Algérie, et dans nos traditions de notre politique, nous n'avons pas des centres fermés. Nous emprisonnons pas ces gens-là. On respecte la liberté de circulation et on respecte leur culture. On a ouvert des centres. Les gens au début venaient fatigués, désabusés, et ils reprennent leur force, ils se lavent, ils ont les habits, ils se soignent, et puis ils repartent. On ne leur dit pas non. Et c'est le Croissant Rouge algérien, avec ses bénévoles, ses ambulances, qui leur courent après, sous les ponts, dans les parcs, etc.,
pour apporter aide d'assistance. Je vais vous donner un chiffre très important. Le rapport d'activité de l'hôpital de Tamanrasset. On parle de Tamanrasset parce que c'est la région où il y a eu le fort pourcentage de migrants. Le rapport démontre que 37% des prestations sanitaires vont pour ces migrants-là. Et les maladies qui ne peuvent pas être traitées à Tamanrasset, le malade est évacué par avion sur l'un des hôpitaux d'Alger. Tous les soins sont gratuits, de la chimio, les médicaments, la trithérapie pour le sida, tout est gratuit. En plus de ça, parce que quand on parle de migrants, il faut parler aussi de réfugiés sahraouis, il faut parler des invités de l'Algérie, les Syriens. L'Algérie a ouvert ses portes à tout le monde. Et l'appel que je voudrais lancer, c'est que le phénomène de migration qui est politisé, pour la région subsaharienne, on a l'impression qu'on veut fermer les yeux sur la souffrance des autres, particulièrement les Sahraouis, et se braquer uniquement sur ce phénomène. Alors, M. Khassimi, responsable du ministère de l'Intérieur, avait déclaré qu'il n'est pas question pour l'Algérie de devenir la Lampedusa de l'Europe. Quel est votre commentaire, justement, par Lampedusa, c'est-à-dire le centre de rétention existant en Espagne? Je vous disais à l'instant, ce n'est pas dans notre culture. Mais est-ce qu'on veut forcer l'Algérie à être dans... Bien sûr. Écoutez, tous ces rapports contre l'Algérie... Rapidement, madame. Tous ces rapports contre l'Algérie. Quand le rapporteur des Nations Unies sur les migrants fait un rapport noir sur l'Algérie, accuse les Algériens de spolier ces migrants de leurs biens et de leur argent. Pourquoi toutes ces pressions? Pour que l'Algérie cède? Pour qu'on crée ces centres? Pour qu'on cède à leur politique et qu'ils se déculpabilisent? Alors que l'Algérie n'est pas coupable, l'Algérie est en position de force, nous n'avons pas à nous défendre, au contraire, nous accusons ceux qui sont à l'origine de ce drame. L'origine de ce drame, vous accusez qui en termes clairs? Vous dites les forces de l'OTAN, il n'y a pas que les forces de l'OTAN. Mais écoutez, en termes par rapport à ce qui s'est produit en Syrie, par rapport à l'Irak, l'Afghanistan, aujourd'hui, les Américains se retirent en laissant un pays dans le chaos. La démocratisation des peuples et des pays à travers les interventions militaires armées et étrangères. Le fameux printemps arabe. Écoutez, il faut lire un livre dont je suis co-auteur, La face cachée des révolutions arabes, et vous trouverez toutes les réponses à vos questions. Alors, autre question que je voudrais vous poser, celle de l'auditeur, il y a aussi ce phénomène que nous vivons actuellement, et qui est un peu médiatisé, surmédiatisé, peut-être sur les réseaux sociaux, c'est le phénomène des harraga. Comment vous le qualifiez, madame? Écoutez, nous, on a ouvert le dossier depuis 2014. Le problème, il ne se pose pas en termes politiques. Il se pose en termes moral, culturel et religieux. C'est un drame pour l'Algérie, pour la société algérienne, parce qu'on sent la dislocation de la famille, de la société algérienne. Et il est temps d'ouvrir ce dossier. Et le Croissant Rouge algérien a déjà lancé une démarche pour offrir un espace où l'on va conjuguer nos efforts afin de mettre fin à ce drame, parce que moi, l'appel que je lance à ces jeunes, je comprends la misère, le manque d'argent, l'optimisme, tout est noir, mais attention, ce que je regrette, c'est pour ça que je parle de la famille, il faudrait que ces enfants n'oublient pas la douleur de la mère. S'ils s'en vont, est-ce qu'ils ont pensé à la souffrance de leur père, surtout ces cris et cette douleur de la mère? Tout est noir, on veut leur noircir le tableau? Bien sûr, il y a des discours politiques. Je suis désolé que dans notre pays, les politiques n'ont pas pu encore faire la part des choses. Même si j'ai un adversaire, je veux l'attaquer sur le plan politique, il faudrait que je réfléchisse sur les conséquences de mes paroles. Moi, si je noircis le problème en disant « Oui, le gouvernement n'a rien fait, c'est pas un pays, c'est le chômage, les jeunes sont abandonnés », bien sûr, c'est un discours vraiment démoralisateur. C'est le cas? C'est le cas, oui, madame. C'est le cas, je suis désolée de le dire. Je l'entends, je suis mère et je réagis en tant que mère, en tant qu'Algérienne. Madame Saïda Ben Habiles, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci, au revoir.